Là, c'est un forum sur deux jours qu'on a organisé pour créer un cadre de rencontres et d'échanges autour de l'emploi. Donc, c'est un forum dénommé Forum sur pour l'insertion des jeunes. L'objectif, c'est l'insertion. Pour nous, l'insertion, c'est tout un processus. Ce forum offre un cadre idéal pour comprendre ce processus-là, mais c'est aussi une occasion pour les jeunes de s'exprimer. C'est une occasion également pour les jeunes de rencontrer différents partenaires par rapport à tout ce qui est logistique dans le cadre de l'insertion. Bon, c'est un forum qu'on fait avec les professionnels parce que nous travaillons déjà dans le cadre d'un projet dénommé TerraPro, territoire apprenant et professionnalisant. C'est un projet dans lequel nous travaillons dans les deux territoires, à la fois à Bignona et en Savoie, autour de l'insertion. Donc pour ce faire, nous travaillons beaucoup plus avec les structures de formation, mais nous travaillons également avec tous ceux qui sont dans l'accompagnement vers l'insertion. Donc ce sont ces acteurs-là qu'on a invités pour qu'ils viennent autour de l'essentiel, autour du réseau des acteurs pour l'emploi au niveau départemental, pour faire comprendre qu'à Bignona, il y a un dispositif qui existe pour accompagner les jeunes vers la sortie heureuse qui est l'insertion. Voilà. Pour la plupart, c'est des jeunes qui viennent des centres de formation du département. Il y en a 10. Donc ce sont ces 10 centres-là qui ont envoyé leurs élèves pour qu'ils viennent également en découverte, mais qu'ils viennent également en exposant par rapport à ce qui se fait au niveau de chaque centre de formation. Parce que les élèves du département ou la jeunesse du département n'a peut-être pas la chance de faire le tour de ces centres-là pour comprendre. Mais avec ce cadre-là, c'est le département au niveau formation professionnelle en miniature. Donc d'une pierre, on est en train de faire plusieurs coups. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre d'élèves qui sont présents? Avant cette interview, nous tournions autour de 300 personnes autour du forum. Donc l'objectif pour nous, c'est d'avoir 200 à 250 personnes, 250 jeunes. Mais nous pensons qu'avant la clôture de ce soir, nous allons atteindre les 350, voire 400 participants. Bon, au moment de la clôture, il y a une cérémonie solennelle qui va être présidée par le président du conseil départemental, parce qu'à la base de la coopération, c'est entre les deux départements. Mais après, c'est de faire un document et remettre ça à qui de droit. Mais nous, en tant que partenaire, ça nous permet de réorienter les prochaines démarches qu'on aura à effectuer toujours dans le cadre de l'insertion.